Si on va donc terminer par cette dernière conférence de la matinée avec un sujet pleinement d'actualité, vous en avez tous entendu parler, les Core Web Vitals. Ça a été un des sujets qui a été évoqué dans presque toutes les conférences que j'ai vues, du coup, questions, mythes, réalités, etc. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir chaleureusement Samson Tat, donc qui est responsable SEO chez L'Oréal. C'est sa première conf chez nous, ça me fait un grand plaisir que tu viennes. Et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Alors, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc je travaille chez L'Oréal en tant que global SEO pour le groupe, sur un périmètre de plus de 250 sites à travers le monde, sur des marques telles que La Roche-Posay, Garnier, L'Oréal Paris, etc. Avant L'Oréal, j'ai fait Dior, pareil, en tant que SEO, et l'objectif de cette conférence, c'est surtout de vous partager un retour d'expérience en tant qu'annonceur, au final, sur les Core Web Vitals, et est-ce que vraiment on va s'y attaquer en tant qu'annonceur sur ce sujet qui n'est pas si simple. Juste pour savoir à peu près l'audience, si vous pouvez à peu près lever vos mains pour savoir qui sont côté agence et consultant, juste pour savoir à qui je parle et pour pouvoir adapter mon discours. Donc je vous laisse lever la main pour ceux qui sont dans les agences ou consultants. Ok, merci. Ceux qui sont chez les clients finaux. Ok, le dernier, ça va être les entrepreneurs. Je ne sais pas s'il y en a. Ah, quelques-uns. Bon, enchanté à tous. Alors rapidement, je ne vais pas vous donner, je ne vais pas faire passer toute la slide sur ça, mais qu'est-ce que c'est que les Core Web Vitals, juste pour résumer rapidement ce que c'est. Vous l'avez, je pense que vous l'avez déjà vu, beaucoup de monde l'ont déjà vu, peut-être oui ou non. Sur Google Search Console, si vous allez sur les pages expériences, vous allez voir que vous avez des signaux, qu'on appelle les pages expériences en français, et vous avez sur ce qu'on voit sur les encadrés rouges, ce qu'on appelle les Web Core Vitals. Et sur ce qui est en jaune, ça va être les Core Vitals, qui sont aussi importants que les Web Core Vitals au final pour travailler sur votre site. Pareil, si vous avez fait des audits de perf sur votre site, vous avez vu également que, bon, c'est un peu compliqué à déchiffrer tout le blabla qu'il y a sur ces pages-là, mais il y a aussi les Web Core Vitals qui sont apparus depuis un peu plus d'un an, avec les fameuses trois lettres qu'on entend un peu partout, le LCP, le FID et le CLS. Alors, au final, qu'est-ce que c'est si je prends les définitions par Google sur le LCP ? Le LCP, c'est le Largest Contentful Paint. C'est grosso modo le temps de chargement du contenu d'une zone de la page la plus grosse, déterminée par sa hauteur ou sa taille, ça peut être un bloc de texte ou une image, versus le début du chargement de la page. Si on prend le FID qui est le First Input Delay, ça va être le temps qui s'écoule en fait entre la première interaction de l'utilisateur sur le site et quand on va répondre à cette interaction. On ira plus en détail après pour vous montrer des exemples plus concrets de ce que c'est. Et le dernier, le CLS, le Cumulative Layout Shift. Le Cumulative Layout Shift, ça va être tout ce qui est déplacement d'affichage sur la page au fur et à mesure que la page va s'afficher. Alors, si je vous fais un petit schéma, quand on charge une page, en réalité, on va passer par différentes phases. Donc, c'est un peu les trois screenshots qu'il y a sur la gauche. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on charge la page, on ne voit pas la même chose. Par exemple, au tout début, il n'y a pas le logo ici au camp, il n'y a pas la grosse cover, et le bouton se déplace également. Si on prend ce qu'est le LCP sur cette page, ça va être la cover, parce que c'est la partie la plus grande qu'il y a sur la page, et le temps de chargement de celle-ci, c'est le LCP. Si on prend le CLS, comme je vous dis, c'est le Cumulative Layout Shift, c'est le fait que les éléments vont bouger au fur et à mesure du chargement de la page. Et c'est pénalisant. Et par exemple, sur le site de SEO Camp, on voit que le bouton réserver vos places, il, au fur et à mesure du chargement de la page, se déplace sur la page. Et le dernier, le FID, quand on charge la page, il y a des boutons qui apparaissent. L'utilisateur voit du début jusqu'à la fin en fonction, bien sûr, de sa connexion Internet. Mais si par exemple l'utilisateur essaye de cliquer sur un bouton pendant le chargement de la page, en fonction de comment est développé votre site internet, il peut ne pas répondre et il va répondre après. Et ça, c'est le temps, le FID qui est calculé. Alors, comment on s'y attaque ? Chez L'Oréal, on a pris le parti pris de le faire en trois étapes avec une approche qui est par type de page. On n'a pas fait un gros audit sur tout le site pour savoir qu'est-ce qu'il fallait corriger, mais nous, on a vraiment pris le parti pris de faire par type de page. Donc la première étape qu'on fait, c'est d'identifier le type de page, le gabarit de page, ça peut être les product page, ça peut être les catégories, ça peut être les pages articles, d'identifier les pages qui ont le plus de problèmes par rapport bien sûr aux enjeux du groupe liés au trafic et liés au chiffre d'affaires que ramènent ces pages.
La deuxième partie, ça va être d'analyser et d'identifier des solutions pour corriger ces problèmes. Et le troisième point, bien sûr, c'est appliquer les correctifs. Et c'est là où ça va être le plus compliqué. Avec cette approche-là, bien sûr, après avoir analysé un gabarit de page, le but, c'est d'aller faire la même chose avec d'autres gabarits de page. Pourquoi on a utilisé cette approche ? Au final, avec cette approche, c'était pour réduire les temps d'analyse des coûts. Analyser les Web Core Vitals, c'est long, surtout si vous avez beaucoup de pages. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé par catégorie de pages. On voit, par exemple, sur le graphique, qu'on a des erreurs sur la home, les articles, les catégories et les produits. Mais au final, en améliorant et en travaillant vraiment sur un gabarit de page comme les pages produits, en fait, on a aussi amélioré tous les autres gabarits. L'exemple simple, c'est par exemple si vous voyez que sur votre page produit, Google remonte qu'il y a des problèmes sur la perf liée au menu, le fait de corriger le menu sur la page produit automatiquement corrige tout le reste. Et du coup, c'est pareil ensuite par la suite, on se focus sur un autre gabarit de page et par exemple sur l'exemple que je vous donne, en corrigeant les problèmes sur les pages catégories, déjà le nombre d'erreurs se réduit drastiquement, mais en corrigeant les problèmes sur les pages catégories, ça va automatiquement bien sûr corriger tout le reste. Et il reste un bloc avec des erreurs, parce que bien sûr, il y a des erreurs qu'on ne peut pas corriger, et donc il nous reste quand même des erreurs à la fin. Alors, pour identifier les types de pages, un truc très simple qu'on utilise chez L'Oréal, et c'est gratuit, c'est cool, c'est la Google Search Console. La Google Search Console, si vous allez dans Google Search Console et sur les signaux web, vous allez voir qu'il y a des graphiques avec le nombre d'URL que vous avez, avec les erreurs que vous avez, séparées par desktop mobile. Ce qu'il faut savoir sur les Web Core Vitals, c'est surtout spécifique au mobile, mais au final, améliorer le mobile, normalement, si vous êtes tous responsifs, améliore aussi la partie desktop. Et sur GSC, si on clique sur ouvrir le rapport, c'est là où ça va être un peu plus puissant, c'est que GSC va faire un peu déjà le travail, on va dire, d'une agence SEO sur l'analyse, parce qu'il va vous dire quels sont les problèmes liés à votre site. Mais en cliquant ensuite, bon, c'est pas, il n'y a pas de bouton pour cliquer, mais en cliquant sur les boutons LCP ou CLS, vous allez voir que Google a fait une très grosse partie du travail, c'est qu'il a déjà regroupé en fait les erreurs par, il utilise des URL, mais par catégorie de page. C'est-à-dire qu'en fonction de comment vos URL sont écrites sur votre site, le travail est déjà plus ou moins mâché. Et on voit par exemple sur un exemple d'un site L'Oréal que, avec la première ligne, les how-to, c'est tout ce qui va être les articles liés à comment on fait un soin, une coloration, comment on applique un masque visage, etc. On voit qu'on a 421 URL similaires qui ont des problèmes de LCP. Alors, ensuite, là, on a identifié le gabarit de page. Je ne vous ai pas mis l'analyse croisée avec Google Analytics, etc. Après avoir identifié ces pages, le but, c'est de comprendre ce qui se passe réellement, quels sont les problèmes réellement qu'il y a sur la page. Là, avec Google Page Speed Insight, pareil, un outil gratuit, il suffit de mettre l'URL de votre page profonde, pas la home, parce que souvent les gens, quand ils testent les performances ou les Web Core Vitals, vont prendre que la home, mais au final, sur Page Experience, il faut prendre vraiment l'URL profonde pour tester la page. Et en fait, quand vous scrollez ensuite sur le rapport, vous allez voir que Google pré-mâche aussi déjà le travail en vous disant quels sont les problèmes qu'il a rencontrés liés aux Web Core Vitals, donc le FCP, le LCP, etc., le CLS, et il vous donne quelques recommandations et même des détails sur qu'est-ce qui pose problème et comment vous pourriez le corriger. Ensuite, libre à vous de choisir si c'est la bonne solution ou pas avec des équipes tech. Alors là, c'est quelques exemples. Ce n'est pas ce qu'on a fait chez L'Oréal, mais c'est quelques exemples de correctifs qu'on peut appliquer pour améliorer les différents Web Core Vitals. Si on prend le LCP, donc pour rappel, le LCP, c'est le temps de chargement du plus gros élément sur la page à partir du débit de chargement, c'est par exemple gérer le caching. Le caching, le CDN, avec Cloudflare ou avec quelque chose d'autre, on en entend parler partout, c'est le fait de, on va dire, créer un site miroir et que les utilisateurs vont sur ce site miroir. L'avantage avec ce site miroir, c'est qu'il est plus rapide, il ne tape pas vos serveurs, il tape les serveurs du CDN, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc automatiquement, ça améliore déjà le score. Après, sur la gestion du caching avec du Cloudflare, avec du Akamai, etc., juste faire gaffe sur les sites e-commerce, parce que quand on fait du caching, c'est pas tout qu'il faut être caché. Par exemple, le tunnel, le checkout, etc., il ne faut pas que ce soit caché. Si vous avez des pages avec une partie connexion qui change au niveau du header avec bonjour tel utilisateur, pareil, on ne peut pas cacher toute la page. Il y a des zones qu'il faut ne pas mettre en cache. Sinon, tous les utilisateurs vont tout voir et ce n'est pas l'objectif. Ensuite, il y a quelque chose aussi que vous allez voir sur Google, et c'est des recos de Google, et depuis longtemps, ça va être de compresser le code HTML qui est renvoyé par le serveur, donc on a du gzip, il y a plein d'autres solutions, mais aussi compresser surtout tout ce qui va être image,
JavaScript et CSS, en dehors du nettoyage. Simplifier les pages HTML. Après, on y reviendra un peu plus tard, je crois, plus en détail. Pourquoi ? Il faut savoir que quand on charge une page Internet, l'utilisateur va recevoir du code HTML sur son device, que ce soit sur desktop ou sur mobile. Par défaut, un mobile est beaucoup moins puissant qu'un desktop. Du coup, souvent, sur vos perfs, vous allez voir que mobile, c'est un peu la cata par rapport au desktop. Simplifier le code HTML, en fait, c'est pour réduire le temps que va utiliser le device pour interpréter ce code pour afficher la page. D'où l'importance aussi de simplifier du coup le HTML. Et le dernier, ça va être de simplifier, nettoyer et séparer les CSS et JavaScript. C'est un peu le même principe. Simplifier, parce que il faut savoir que le JavaScript, au final, quand on améliore les Core Web Vitals, ça va être le gros chantier, c'est celui qui pèse le plus lourd. Exécuter du JavaScript sur une page, que ce soit sur du desktop ou du mobile, c'est très très lourd, ça demande beaucoup de processeurs. Et en simplifiant le JavaScript ou le CSS, vous allez réduire, en fait, vous allez voir sur les reports, souvent, ça va être tout le blocking time qu'il y a sur vos sites. Nettoyer. Alors, nettoyer, parce que, en fonction de vos sites, bien sûr, plus votre site a peut-être été lancé il y a quelques années, ou quelques mois, avec du CSS, du JavaScript, et au fur et à mesure que vous avez fait évoluer votre site internet, vous avez rajouté du CSS, du JavaScript, vous avez fait des refontes. Souvent, les développeurs, il ne faut pas se cacher, ils vont laisser le code qui n'est plus utilisé sur du CSS ou du JavaScript, d'où le principe de nettoyer le code. Certes, dans une entreprise, et c'est ce qu'on ressent aussi chez L'Oréal, sur une entreprise, nettoyer du code CSS, JavaScript, ça demande des ressources de dev, ça demande du temps, et au final, il n'y a pas de résultat, on va dire, business, mais au final, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire pour améliorer les Core Web Vitals. Si on prend le CLS, donc pour rappel, c'est le Cumulative Layout Shift, c'est le fait que les éléments bougent en fonction de l'affichage de la page. C'est des principaux problèmes que j'ai pu rencontrer. Le principal, ça va être de spécifier des hauteurs d'image. Quand on affiche une page, et souvent on applique du lazy loading, c'est-à-dire que l'image se charge au fur et à mesure que l'utilisateur voit l'image, on voit que si on ne met pas de hauteur, en fait, ça va faire une ligne d'un pixel. Le fait de mettre une hauteur n'ayant pas d'image encore chargée, on dit juste en fait au navigateur qu'il faut réserver par exemple 200 pixels pour l'image, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun élément qui va se déplacer en dessous. Pareil pour les images, en fonction de vos sites, c'est le même principe pour tout ce qui va être iframe, même si ce n'est pas la mode de mettre des iframes sur des sites, mais ça existe encore. Et pareil sur tout ce qui va être chargement de DOM via JavaScript. Le chargement de DOM via JavaScript, c'est par exemple si vous utilisez des ratings and reviews avec Bazaar Voice ou avec d'autres prestataires qui facilitent un peu la tâche sur les sites, sur les fonctionnalités. Il faut savoir que par exemple si on charge du Bazaar Voice qui est un module de ratings and reviews de commentaires sur les sites e-commerce, le fait de le charger en JavaScript, au final, en fait, on ne dit pas à Google ou à la page combien de hauteur ça va prendre, et c'est Bazaar Voice qui décide un peu. Et ça crée pas mal de cumulative layout shift sur l'ensemble de nos sites. Le lazy loading, souvent le lazy loading, on l'applique sur l'ensemble des images du site, bêtement, bête et méchant. Mais après des analyses, après avoir fait quelques tests chez L'Oréal, on voit qu'en fait, le lazy loading, en l'utilisant uniquement sous la ligne de flottaison, ça marche beaucoup mieux, ça améliore les scores surtout du LCP. Pourquoi ? Parce que les images chargées côté serveur sont plus rapides que côté client. C'est pour ça que mettre du lazy loading uniquement sous la ligne de flottaison, ça améliore automatiquement les scores. Et petite précision sur ça, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que quand vous avez conçu vos sites internet et les maquettes, etc., vous savez à peu près quels sont les éléments qui s'affichent en haut et quels sont les éléments en fait, qui s'affichent sous la ligne de flottaison. Nous, on l'a fait comme ça. Autre point sur les CLS, on n'y pense pas souvent, mais utiliser des fontes, surtout ceux qui utilisent les fontes via du JavaScript, en fait, ça impacte le CLS. On voit souvent que quand on affiche une page avec, on va dire, une police Arial, la police Arial, c'est une police par défaut, des PC, des navigateurs et des devices. Mais quand on utilise des polices un peu plus spéciaux, custom liés à la marque, et que c'est loadé via du JavaScript, on voit que le texte va changer. Ça peut être plus gras, parce que la police elle est beaucoup plus espacée, parce que les lettres sont beaucoup plus en hauteur, et en fait, ça pareil, vu que c'est du JavaScript, ça va créer du mouvement sur la page, ce qui pénalise le layout shift. Un exemple sur le FID, en réalité, en ayant travailler sur les LCP et le CLS, le FID va se régler quasiment automatiquement. Parce que, comme je vous l'ai dit, le FID, c'est le
temps de réaction entre quand on essaye de cliquer sur un bouton jusqu'à vraiment quand ça va se passer. Du coup, améliorer en fait le temps de chargement, que ce soit sur le LCP notamment, automatiquement améliore le fait que le bouton sera beaucoup plus actionnable, on va dire, rapidement. Et quelque chose qu'on n'y pense pas souvent, c'est surtout le tracking. On a des sites e-commerce, on travaille avec beaucoup de médias, et on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pixels de tracking. Alors les pixels de tracking, c'est chargé via du GTM, c'est chargé via du JavaScript, et tout ça, c'est extrêmement lourd sur les sites. Donc, nous, côté L'Oréal, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé un peu les tags médias, c'est-à-dire que les tags qu'on n'utilise plus, ou qui sont obsolètes, ou qui n'ont aucun sens, on les met plus. On a réduit beaucoup, par exemple, tout ce qui va être tracking lié aux événements qu'on envoie aux différents partenaires médias, parce qu'on a vu qu'en termes de taux de conversion, ou même en usage réellement par le market, ça ne sert à rien. Donc on les a nettoyés, on les a enlevés, pour réduire, pareil, le temps d'exécution des JavaScript sur le site. Un point particulier sur les CMS. Nous, on n'utilise pas, c'est pas un CMS qu'on utilise chez L'Oréal, mais les CMS, c'est un peu un piège. Ça fait le café, mais c'est un peu un piège. Un piège parce que quand vous prenez un WooCommerce ou un WordPress ou un Shopify, vous allez avoir beaucoup de plugins. Vous avez des plugins par défaut qui sont installés, mais au final, vous ne les utilisez pas. Et vous avez des plugins que vous allez installer au fur et à mesure qui sont lourds. Mais ça fait le café, c'est facile. Donc du coup, l'une des recos qu'il y a sur les Web Core Vitals liés au CMS, ça va être avant tout de regarder les plugins que vous utilisez, de les nettoyer et de les tester. S'il y a des plugins qui sont trop lourds, peut-être que vous allez trouver des alternatives beaucoup plus légères qui correspondent à vos besoins. Mais c'est un point d'attention qu'il faut faire avec les CMS. Et le deuxième point, pareil, un CMS, ça fait le café, ça offre beaucoup de flexibilité, on peut créer plein de pages comme on veut, c'est super cool. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on achète un thème de base sur un WordPress, un Shopify, il donne un gros CSS et un gros JavaScript. Parce que dedans, on peut faire tout et n'importe quoi. Au final, en fonction de comment vous concevez votre site, je suis sûr que vous n'utilisez pas à 100% les capacités de ces CSS et des JavaScript. D'où le besoin d'utiliser au maximum ce qui existe déjà et de ne pas recréer une roue. Mais également, le meilleur des cas, c'est de redévelopper son propre thème. Développer son propre thème sur un Shopify ou sur un WooCommerce, vous vous assurez que tout ce que CSS et JavaScript répond vraiment à ce que vous avez besoin pour réduire au maximum, au final, tout ce qui va être CSS et JavaScript, et donc réduire le temps de chargement, au final, sur les pages. Alors, une question qu'on m'a beaucoup posée et qu'on a eu un gros débat aussi chez L'Oréal, au final, qui en est responsable de tout ça? Parce que c'est un sujet assez complexe. Si je reprends le chargement d'une page, donc, la page se charge au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de charger la page, il y a quelque chose qu'on appelle, ça va être le serveur. Dans le serveur, ça va être tout ce qui va être résolution de DNS, tout ce qui va être hébergement, tout ce qui va être appel à la base de données. Parce que par exemple, pour afficher du texte, le texte il vient d'un WordPress, d'un pack office. En fait, ce texte est stocké dans une base de données. Il faut faire appel pour la récupérer. Pareil, après avoir appelé le serveur va renvoyer le code HTML au client, donc au navigateur, au device. Et on a ce qu'on appelle la partie client. La partie client, ça va être tout ce qui est interprétation du code HTML qu'il y a sur la page, tout ce qui va être chargement des images, des fontes, du CSS, du JavaScript et du tracking. Donc c'est un peu compliqué. Et donc qui en est responsable réellement dans tout ça? C'est qu'au final, côté serveur, ça va être tout ce qui va être DevOps et tout ce qui va être back-end. Et côté client, nous avons tout ce qui va être le dev front. Oups. Le dev front, parce que le dev front c'est celui qui va coder proprement la page HTML, le JavaScript et le CSS. Il va y avoir au final les designers, parce que c'est sûr que si le designer crée des maquettes avec 50 000 vidéos, encore Web Vitals, ça passera jamais quoi. Donc le design et le métier au final est aussi responsable des Core Web Vitals. Et le dernier, ça va être les médias. Plus le marketing demande d'intégrer des pixels, plus les Core Web Vitals diminuent. Donc le sujet au final, c'est un sujet global de l'ensemble de tous les gens qui travaillent sur le site, qui doivent travailler dessus. D'où la complexité en fait, nous chez L'Oréal, quand on est une grosse machine, de travailler sur ces types de sujets. Alors quelques exemples pour être plus précis sur ce que fait un DevOps et un back-end sur les différents trucs. Là j'ai pris un site qui est hors L'Oréal sur lequel j'ai travaillé, c'est celui qui est à 100% sur les différents screenshots. Par exemple, sur un site, ça va être la première chose, ça va être la mise en cache via du CDN et de la compression. C'est-à-dire que l'HTML est compressé, les JavaScript est compressé, le CSS est compressé et les images sont compressées.
Et ça va réduire du coup la taille des ressources, donc la taille des fichiers que doit télécharger un navigateur, et automatiquement réduire le CLS. Ensuite, nous allons avoir la partie hébergement. Pareil, sur les Web Core Vitals, souvent on dit que c'est le rôle d'un agent SEO d'aller auditer tout ça, mais aller auditer jusqu'à est-ce que le serveur est bien configuré pour répondre au trafic, c'est un peu difficile. Du coup, c'est quand même le rôle du DevOps et du back-end de s'assurer que la conf et le travail qu'il fait est vraiment optimisé côté serveur. Côté code, souvent pareil, on n'y pense pas, mais souvent dans les grosses entreprises, on développe et le but, c'est de fournir des features, de répondre à des fonctionnalités le plus rapidement possible sur une roadmap. Souvent, les équipes changent, les développeurs changent et on voit de plus en plus en fait, dans nos sites, à nous, qu'on a des bouts de code qui sont redéveloppés par de nouveaux développeurs, mais qui sont similaires en termes de fonctionnalités. Ce qui fait que ça crée quand même ça crée quand même de la redondance. Et souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que on essaye de plus en plus de développer pour pas cher. Et ce qui se passe, c'est que on prend des profils qui sont peut-être juniors, mais au final, sans code review, sans un architecte, un expert qui relie le code, est-ce que réellement le junior a développé un code qui est vraiment optimisé? Souvent, c'est pas le cas. Donc du coup, on a fait une grosse partie de code review par des architectes qui ont relu le code et optimisé au maximum les codes pour améliorer la vitesse de traitement. Côté base de données, c'est un peu le même principe. Un truc très simple, c'est que souvent, quand on est débutant, on développe un site, on appelle une base de données, on va faire des select étoiles, c'est-à-dire qu'on va interroger toute la base. Au final, en optimisant, en choisissant vraiment des champs spécifiques dont on a besoin, ça optimise le requête SQL. Et en rajoutant du cache sur ces requêtes SQL, parce que, par exemple, si on est sur une page d'accueil, je ne pense pas qu'on ait besoin de rappeler au back-office quel est le texte que je dois mettre sur la home. Je pense qu'on peut mettre du caching de 3 heures, de 6 heures en fonction des homes, bien sûr. On optimise, pareil, les traitements des appels vers la base de données, ce qui améliore le CLS. Le SCP. Côté DevFront, pareil, sur les types de tâches qu'on a eues, c'est par exemple sur le CSS JavaScript, comme je vous l'ai dit, c'est de réduire les custom CSS et JavaScript. L'erreur qu'on fait souvent, un peu comme pour les thèmes sur les WordPress, c'est que de plus en plus de sites vont utiliser un Bootstrap 5. Un Bootstrap 5, c'est une librairie de composants qui fournit des modules, des composants d'affichage en CSS et aussi des features en JavaScript. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on réinvente la roue, parce que le développeur ne connaît pas assez la librairie qu'il va utiliser niveau CSS et JavaScript, et il réinvente la roue. Ce qui fait qu'en fait, il crée du code HTML et du code CSS en plus, et du JavaScript dupliqué par rapport à ce qu'il pourrait faire simplement avec la librairie. D'où le besoin d'analyser en profondeur et de réduire au maximum tout ce qui va être custom CSS et JavaScript par rapport à ce que proposent déjà au final les librairies qu'on utilise tous sur les sites. Et un point très important, Bootstrap 5. Bootstrap 5, c'est sans jQuery, c'est beaucoup plus performant. L'autre point sur le lazy loading, donc ça, si je vous l'avais déjà cité avant, c'est qu'on optimise le loading uniquement sous la ligne de flottaison, et toutes les images au-dessus de la ligne de flottaison, c'est chargé par le serveur pour améliorer tout ça. Côté HTML, c'est ce que je vous avais évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a simplifié le code HTML, surtout les niveaux de profondeur de DOM. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on va développer un développeur front, en fonction de son niveau, il y a certaines méthodes qui permettent d'aller beaucoup plus vite en réduisant les balises HTML. Plus on réduit les balises HTML, plus le code HTML est simple, plus c'est facile à interpréter, et plus on réduit le temps que prend un device, un desktop ou un mobile, pour interpréter cette page. Le resize des images, un point très important, souvent dans les back-office, quand on fait simple, on va uploader une image. Par exemple, une page produit, dans le back-office, on upload uniquement une seule image. Avec un traitement de resize à la volée, c'est le parti pris qu'on a pris parce que c'est le moins coûteux, on va dire, en termes de développement. L'image, on l'upload dans un certain format. Ça peut être du Full HD, du 4K, comme on veut. Et en fait, ce qui se passe, nous, côté front, c'est que les images sont resizées à la volée. C'est-à-dire que quand le développeur développe son site, il va dire exactement quelle est la taille de l'image qu'il faut. Et ce qui se passe, c'est qu'avec un moteur qu'on a, il y a un redimensionnement de l'image qui est fait automatiquement et qui est stocké sur le serveur pour faire du caching, ce qui fait qu'en uploadant une seule image, on a plusieurs images de différentes tailles, ce qui permet d'optimiser, on va dire, la performance, parce que quand on affiche une photo d'une page produit, sur une page produit, oui, on a besoin que ce soit grand, mais sur une page catégorie, on n'a pas besoin que l'image soit très grande.
Et le dernier, ça va être la compression. La compression, elle peut se faire à deux niveaux. Soit vous demandez à votre webmaster de compresser les images avant de l'uploader, ce que souvent personne ne fait, ou vous utilisez une technique qui permet de compresser les images directement sur le serveur. Et un point important sur tout ça, c'est qu'il faut mesurer correctement le niveau de compression. Sur les marques, chez Dior notamment, par exemple, la compression d'image est interdite. Pour des questions d'image, parce que c'est un site de luxe, on ne peut pas se permettre d'avoir des images dégradées, il faut qu'on puisse voir les détails au précis. Donc on ne pouvait pas compresser les images. Donc en fonction de votre activité et de votre directeur digital, au final, c'est un choix à prendre, est-ce que vous voulez ou pas compresser les images. Côté design, un peu sur le même principe que pour les développeurs front, les composants, Bootstrap propose des composants, c'est-à-dire qu'il va proposer des carousels, il va proposer des pop-ins, des modales, etc. L'objectif, c'est pareil, dans l'objectif de diminuer, de réduire les tailles des fichiers CSS, JavaScript, HTML, c'est d'utiliser au maximum ce qui existe sur la librairie. Ça ne sert à rien de recréer quelque chose par-dessus. Si le marketing, c'est le parti pris qu'on prend chez nous, c'est si le marketing veut quelque chose de vraiment très spécifique, qui est vraiment très différent de ce qui existe sur le Bootstrap, on essaye quand même de le convaincre d'utiliser au maximum ce qui existe pour éviter de, un, rajouter une couche, mais aussi en termes de maintenance, c'est beaucoup plus simple. Sur le redesign, pareil, on utilise au maximum avec les designers où on travaille, qui nous proposent des maquettes, les BETC, ou toutes les agences créatives qu'il y a sur Paris, et on les re-challenge à chaque fois en leur disant, repartez de la base de Bootstrap, vous avez des choses qui existent, on ne va pas réinventer une roue, on ne va pas rajouter des fichiers, des lignes de CSS pour arrondir des angles sur une image. Donc démerdez-vous, mais faites-nous quelque chose le plus simple possible et carré, et pour l'utilisateur, mais aussi pour le navigateur. En termes de responsive, on a pris le, bon ça c'est tout le monde le fait, mais on a pris le parti pris de faire du mobile first, mais en dehors du mobile first, on a poussé le mobile first jusqu'à dire que on fait pas de design desktop et mobile. Ce qui est affiché sur le design sera affiché exactement de la même façon sur le desktop, dans le même ordre qu'il y a sur le mobile. L'objectif, c'est d'éviter souvent ce qu'on peut voir sur des sites, c'est que dans le code, on va avoir, même si le site est responsive, on voit qu'il y a des blocs de texte qui peuvent être affichés sur mobile et qui ne peuvent pas afficher sur desktop. Donc du coup, ça rajoute en fait, quand on navigue sur le site mobile, un chargement de HTML uniquement pour le desktop, ce qui est inutile. Et sur le même principe, on a sur certains sites des niveaux responsifs, par exemple des images qui vont être sur la gauche et du texte qui est sur la droite niveau desktop. Et sur responsive, on va vouloir avoir l'inverse, c'est-à-dire le texte en haut et l'image en bas. Quand on fait ça en mode dégueulasse, on fait deux blocs de texte. On fait deux blocs de HTML, un pour le desktop, un pour le mobile. Et en fait, avec certaines techniques de CSS et JavaScript, c'est un seul bloc HTML et on peut jouer sur le déplacement des blocs automatiquement avec du CSS. Sur les fontes, quelque chose dont je vous ai dit, c'est qu'on a réduit le nombre de polices. Avoir 50 polices sur le site, c'est cool, c'est beau, mais l'utilisateur il est un peu perdu. Ça ralentit un peu tout le truc, et du coup on a réduit le nombre de polices, et pareil, en jouant sur les fontes, tout ce qui va être icône, on n'utilise pas des images spécifiques à charger, parce que si vous utilisez des réseaux sociaux, et chaque réseau social par exemple a des icônes, ça fait quand même 5 images, même si elles sont légères, c'est quand même des appels serveurs. Donc nous on prend le parti pris de prendre directement les icônes qui sont proposées par certaines polices, même si elles sont dégueulasses ou elles ne répondent pas au design exact, on s'en fout un peu chez nous. Et côté média, donc ça va être le nettoyage des tags médias obsolètes. Donc c'est le marketing, on leur dit voilà tous les tags que vous avez, qu'on déclenche. Est-ce qu'il n'y a pas des tags qui sont en trop? Est-ce qu'il n'y a pas des tags qu'il faut nettoyer? Donnez-nous la liste et on nettoie tout ça pour réduire les tags. Et pareil sur les événements de tracking, souvent ce qu'on peut voir c'est qu'on veut tout traquer. Mais au final, est-ce que vraiment quelqu'un se sert de toute cette donnée? Souvent, c'est non. Donc du coup, on a nettoyé aussi tous les trackings qui sont un peu très précis, qui ne répondent pas aux KPI demandés par le groupe. Et le dernier, ça va être le tracking GTM. Nous, on a pris le parti pris, pareil, de le mettre en mode asynchrone, bon, comme souvent, et on le met en fin de page. Certes, les données peuvent être un peu plus fiables, moins fiables, mais au final, ça améliore les perfs. Alors quel impact dans tout ça? Il faut savoir que c'est un nouveau facteur SEO, l'algorithme il s'est déclenché de juin jusqu'à août, ça a été très long, et ce qui est compliqué dans tout ça, c'est qu'en parallèle du déploiement des pages
page d'expérience sur Google. Il y a aussi d'autres algos qui sont déployés. On a les spam updates en juin, les core updates de juillet, le link spam qu'il y a eu aussi fin juillet. Et au final, ça rend un peu difficile à mesurer tout ça. Et je vous cache pas, et je m'excuse, j'ai pas pu faire l'analyse sur l'ensemble du groupe L'Oréal pour savoir quel était l'impact, parce qu'on n'a pas préparé les données assez tôt. Et donc du coup, je vous ai mis une étude qui est sortie récemment, il y a quelques semaines, sur l'impact selon Systrix sur les Webcore Vitals. La conclusion, vous pourrez aller voir sur le lien plus tard pour avoir plus de précision, mais la conclusion, c'est que sur des sites qui respectent vraiment les Core Web Vitals, ils ont gagné 1%. Et sur des sites qui étaient vraiment catastrophiques en termes de Webcore Vitals, c'est moins 3,7%. Mais l'importance dans tout ça, au final, autre le SEO, les Webcore Vitals, ça parle de perf, et au final, c'est pour l'utilisateur. Donc, selon des études qui sont disponibles sur Internet par Google et par d'autres choses, les Webcore Vitals aident à améliorer des KPI comme le bounce rate, le taux de rebond ou le temps de chargement, etc. Pareil sur d'autres études, si on prend les performances, par exemple, en améliorant le temps de chargement d'un site, on améliore le taux de conversion. Et du coup, ce qu'il faut retenir, je pense, en termes d'impact, c'est avant les speeds, c'est surtout pour l'utilisateur qu'il faut travailler. Et si vous voulez aller plus loin dans tout ça, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est de combiner les Web Core Vitals avec les Google Analytics. Et là, ça fait beaucoup de choses et le café. C'est-à-dire que vous avez sur GitHub, je vous ai mis le lien, vous avez du JavaScript que vous pouvez mettre sur votre site, qui va envoyer en fait les données des Web Core Vitals directement dans Google Analytics. Et Google Analytics, je pense que vous le savez tous, si vous le connectez à un Data Studio, vous pouvez faire des très très beaux rapports, c'est-à-dire que vous allez pouvoir pousser jusqu'à vos rapports à voir est-ce que des pages qui ont un bon Core Web Vitals impactent ou pas le bounce rate, etc. Quel est le gabarit de page, et vous pouvez suivre au fur et à mesure et tout le long de l'historique de votre site le scoring, parce que sur Google Search Console, il y a quand même une limite de date. Et pour conclure, c'est juste pour vous dire que les Web Core Vitals arrivés à 100% et sur un site, c'était celui qu'il y avait sur les screenshots, avec plus de 8000 pages, c'est possible. C'est faisable, il faut juste vraiment coordonner l'ensemble des acteurs qui est là le gros challenge qui vous attend au final. Et pour la question mug, vous avez deux screenshots sur la droite. La question c'est, est-ce que sur le site SEO Camp au final, est-ce que le breadcrumb et le fil d'Ariane causent-ils du CLS? C'est bon. Merci beaucoup. Voilà. On peut l'applaudir. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi le site sur les screenshots à la fin là? C'est possible? Lesménagers.com. C'est un site perso que j'ai, mais c'est lesménagers.com, c'est un comparateur de prix sur l'électroménager. D'accord, merci. Une autre question? Il est souvent conseillé de passer ses CSS et JS inline pour ceux qui bloquent le rendering. C'est un peu galère à faire. Est-ce que tu as des astuces pour ça? Alors, je sais qu'il y a des librairies qui existent qui te permettent d'analyser ça, mais je ne les ai pas en tête parce que les développeurs front m'en ont parlé. Je sais que ça existe. Mais après, c'est un parti pris de... Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inline, le CSS inline, moi, je ne l'ai pas poussé auprès des développeurs parce qu'en fait, c'est très difficile à maintenir après. D'où le fait que le parti pris qu'on a pris en réalité sur les CSS, c'est qu'on a séparé les CSS par template de page ou par, grosso modo, on a séparé par deux CSS. Sur un site e-commerce, on va avoir le CSS qui va être lié à tout le site. Et en fait, le CSS, tout ce qui va être lié au checkout, mon compte, tout ce qui va être vraiment en réalité peu utilisé, entre guillemets, on l'a mis dans un autre CSS. Merci pour ta conf. Est-ce que tu as vu un impact sur les rankings? Après tout ce que tu as fait sur les 8600 pages. Alors, j'avais le truc, mais je l'ai enlevé. Est-ce que j'ai vu un impact? En fait, j'ai vu un impact. Il y avait eu une hausse de 200%, je crois, depuis de clics sur GSC depuis avril, depuis les différents updates. Mais au final, je ne peux pas te dire est-ce qu'il y a, c'est lié au Core Web Vitals ou est-ce que ça lié tout le reste? Ou est-ce qu'au final, le SEO que j'ai fait sur mon site perso, il est propre et au final, en fait, quand toutes les algos sont passées, c'est la concurrence qui est tombée? C'est là qu'il est difficile à mesurer tout ça. Quoi. J'ai juste une question.
Concernant les optimisations qu'on peut faire sur les images, en plus du poids, est-ce qu'il y a le format qui joue aussi, JPEG, PNG Ouais, effectivement, il y a, si je ne me trompe pas, c'est pas le SVG, je crois, si je ne me trompe pas, ou le WPP, qui améliore en fait le chargement des images, mais la mise en place est un peu complexe parce qu'il faut compresser les images côté serveur en WebEP. Et nous, on ne l'a pas encore mis en place, mais je sais qu'il y a des outils qui te permettent de le faire assez facilement, comme un Cloudflare qui te propose, je crois, en option. Bonjour, merci pour ta conf, super intéressant. Au-delà du ranking ou du trafic SEO, est-ce que tu as pu remarquer des impacts sur la partie comportement utilisateur, par exemple le bounce, le nombre de pages par session, le temps passé? Alors sur le site que je vous donne en exemple qui est à 100%, c'est le bounce rate qui a diminué. Il a vraiment diminué, ça je l'avais vu. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose que j'avais vu et qui peut-être explique en fait aussi la croissance qu'il y a sur mon site, c'est le crawl. Avec le fait d'être en 100%, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de pages qui ont été crawlées en fait par Google, et ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de pages qui ont été indexées, et automatiquement, il y a beaucoup plus de requêtes positionnées, et ça m'a ramené plus de trafic. Le budget crawl qui est quand même un point important dans le SEO. Merci. Est-ce qu'on a une autre question de quelqu'un ? Non ? C'est tout bon ? Si, là. Tu recommandes de passer Tag Manager en tout en pied de page. Si ton Tag Manager, tu mets tous tes tags au niveau du DOM Ready ou du Window Load, normalement ça passe, tu peux le laisser dans le header, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Nous, on a pris le parti pris de le mettre en bas. Après, on ne l'a pas testé en profondeur le before after, mais on l'a vu que la reco de Google, c'est de le mettre en haut pour s'assurer que 100% des données remontent. Nous, on s'est dit qu'on... On fait de l'analyse par masse et pas dans le détail, donc le fait de mettre en bas et de perdre des données. Et tu le fais même sur la page de confirmation de transaction, parce que c'est ouais. Là où globalement on essaie quand même d'avoir un maximum de transactions qui remontent, quitte à avoir un peu moins de web de perf. Ouais, bah nous on le met aussi en bas sur les pages de transactions, parce qu'on se dit aussi que au final le fait de mettre en haut ça pénalise les perf, et pénaliser les perf au final ça pénalise les conversions, donc autant le mettre en bas. On fait encore de l'analyse par grosse masse, donc après bon tout ce qui est tracking, conversion, etc. C'est dans les systèmes de SAP. T'as du succès, t'as encore une question. Non, mais justement, pour rebondir sur sa question, est-ce que vous avez fait peut-être de l'A/B testing avant de le mettre en bas ? Non, on n'est pas fan de l'A/B testing. En fait, chez L'Oréal, il faut savoir qu'on est une grosse machine. Mettre de l'A/B testing, c'est très difficile. Et donc, du coup, on ne l'a pas fait. On va sur du feeling, sur des sentiments. Mais de l'A/B testing, avec WebPage Test, tu peux faire ça ? Tu lances un système, enfin un crawl, tu vois, avec WebPage Test, en fait, et après tu leur fais, une fois que tu as fait toutes les évolutions, et tu peux comparer en fait le scénario entre avant et après. C'est peut-être c'est ça que tu peux dire par A/B testing, ouais. Avant, après, je fais ça notamment en bloquant GTM. Tu bloques GTM avec, au début, et après tu bloques GTM après, et tu vois que oh, quand tu n'as pas GTM, ben, c'est beaucoup plus rapide. Quoi. Ouais, mais pour faire ça, ça sous-entend que tu as accès aux équipes dev facilement et que tu connais les dates de déploiement, non ? Non, tu peux bloquer Tag Manager directement avec le WebTest Test, en fait. Okay.